Allez, lance. Salut les gars, no face. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, il y a la neige partout. On est au Québec. Ça fait un an que je suis au Québec maintenant, un peu plus d'un an même. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'avenir de la DCA, de ce qui va se passer sur la chaîne, de ce qui va venir. Donc bref, c'est une petite vidéo tranquille, une sorte de petit vlog on va dire. Je vais regarder un petit peu. Mon cégep est par là. Et on a l'université. Juste derrière moi. On y va. Les gars, on est au parc du Moulin, c'est magnifique, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment beau. Malheureusement, il n'y a presque plus de batterie sur nos deux caméras. C'est moi. La gagagate. Et puis bah voilà, bah, je vais vous parler de ça demain. Et je me poserai quand même. Et voilà, donc on profite du reste de la batterie pour filmer un peu tout ça, pour vous offrir quelques petites images. Voilà, voilà. Là. Oui, je suis. Bon les gars, là on est au parc du Moulin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Normalement c'est censé être une cascade, normalement. Je sais pas si c'en est une ou pas, ou je sais même pas si on est au bon endroit. Donc ouais, il reste plus de batterie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous parlerai demain, donc je tournerai ma vidéo demain également. Et je vous expliquerai un petit peu ce qui se passera sur la chaîne, tout ça, tout ça. Là c'est vraiment des petites images assez sympas pour... tout simplement pour découvrir la vidéo, voilà, hein, pour qu'elle soit pas trop vide non plus et que vous puissiez profiter du paysage, voilà. Bon les gars, on est dans la deuxième partie de cette vidéo. Il fait encore froid, il fera toujours froid de toute façon vu qu'on est en hiver. Je vais vraiment essayer de parler assez vite puisque en hiver la batterie va vraiment pas tenir très longtemps. Du coup on va se trouver un petit coin sympa et je vais pouvoir me poser et vous parler un peu de tout ça. Je me suis foutu dans une merde impossible. Il doit y avoir à peu près 1 mètre de neige ou 2 ici. Je vais parler de 3 choses. Assez importante concernant ma chaîne. La première ça va être au niveau de la DCA, la deuxième ça va être concernant mes vidéos et la troisième ça va être à peu près genre l'élément déclencheur de ces deux changements. C'est ce que j'utilise actuellement, il s'agit d'une petite caméra. Si vous me suivez depuis mon ancienne chaîne YouTube ou si vous me suivez tout simplement sur ma page Facebook, un de mes plus gros soucis c'est la qualité vidéo et la qualité audio. Malheureusement je n'ai pas forcément le matériel nécessaire. Et là finalement j'ai pu acquérir une nouvelle caméra, il s'agit de la SJCAM M20. Je ferai pas forcément de vidéo de présentation de celle-ci puisqu'il y en a pas mal déjà sur internet. Je vous mettrai un lien assez pertinent dans la description. Au niveau de la DCA, il y a eu deux changements. Le premier c'est que j'ai été nommé chef de la DCA, donc chef de la DCA au Québec, parce que si vous le savez pas, je suis au Québec depuis plus d'un an maintenant. Et j'ai été désigné pour, on va dire, diriger l'équipe ici. Recréer l'équipe au Québec afin de pouvoir continuer à faire des vidéos et de pouvoir, on va dire, rencontrer d'autres personnes. La deuxième bonne nouvelle, ça va être, la deuxième nouvelle surtout, c'est plutôt l'arrivée de Fried. Il est au Québec aussi avec moi et du coup, on va pouvoir faire des parties ensemble. On a déjà fait des parties ensemble que je n'ai pas pu filmer, mais bon bref, ça va venir. Donc on a pas mal d'activités à faire ensemble. La deuxième nouvelle, ça va être concernant les vidéos, donc ça va être pas mal de vlogs maintenant vu que j'ai une bonne petite caméra juste ici. Donc ça va être des vlogs, des vidéos de parties, d'autres vidéos en tout genre. J'ai décidé de généraliser un petit peu le thème de ma chaîne puisque faire que de l'airsoft c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment possible, surtout en hiver au Québec. Du coup, je disais donc qu'on va pouvoir généraliser un petit peu le thème de cette chaîne. Je vous parlerai de pas mal de choses, donc je vais vous montrer un petit peu quelques petites images du lieu où je me situe, histoire que vous sachiez un petit peu où on est.